Mon collègue et moi-même, nous avons, avec nos équipes, entamé depuis hier vraiment une course pour superviser les différents centres de passation du baccalauréat dans la région de l'intérieur, pour voir de visu vraiment le déroulement des épreuves. On a été agréablement surpris de voir déjà les responsables des régions qui sont engagés, qui sont bien sûr aux côtés des proviseurs, aux côtés du cadre du ministère, aux côtés des différentes personnes directement donc responsables de l'organisation du baccalauréat, que ce soit à Dekhil, à Al Sabih, à Akhta, à Tadjoura ce matin et à Obok. On voit vraiment, alhamdoulilah, que tout le monde, quelque part, a pris cette affaire à cœur. Ça a été un succès. Les candidats des régions de l'intérieur passent dans les meilleures conditions. Ces deux jours, nous sommes vraiment très satisfaits. Et comme je disais, les épreuves se déroulent dans le calme. Je remercie en même temps la sécurité, bien sûr la gendarmerie et la police qui assurent également le convoi également de sujets. Je remercie également la garde-côte hein, pour les régions du Nord qui déplacent, qui ramènent les copies mais également qui ramènent les sujets. Et vraiment, je voulais vraiment leur dire un vif remerciement hein, au colonel Ouaïs, qui nous facilite énormément la logistique pour la région du Nord. Un autre élément qui, quelque part, fait partie de la réussite de ce baccalauréat, c'est la sécurité. La sécurité des sujets, c'est la sécurité à l'intérieur de l'établissement, c'est la sécurité à l'extérieur, et c'est également veiller à ce que, bien sûr, la surveillance se fasse également dans les meilleures conditions.